Nous sommes le 17 mai. Je profite de l'accalmie pour faire une petite vidéo sur le potager. Donc voilà, au niveau des bacs, j'ai rajouté quelques salades. Donc on voit que la bourrache se développe bien. Bon, par contre, le fait que j'ai pas de paillage, en fait, ça m'a fait des projections sur l'avant de mon bâtiment là, donc il faudra que je paille pour éviter ça. Les salades que j'avais achetées toutes faites chez Gamme Vert, elles continuent à pousser très bien. Donc idem pour la ciboulette. Les oignons et ail perpétuel, bah, ça pousse gentiment. La mertésia aussi. Et le thym aussi. Donc le thym que je devais déplacer, en fait, je pense que je vais le laisser là. Par contre, je ne l'arroserai pas. Ou très peu. Parce que de toute façon, le commander dans un bac, en fait, ça reste beaucoup plus sec qu'en pleine terre. Donc. Je pense que ça ne devrait pas poser de soucis de le laisser ici. Donc, alors un petit point sur les cuves. Donc, j'ai recouverte d'une bâche. Chacune est recouverte d'une bâche. Et ce que j'ai fait, en fait, parce que je me suis aperçu que quand je laissais les cuves fermées, et ben en fait, la connexion que j'avais faite au niveau de la descente, que je pensais qui me permettrait de remplir chacune des cuves l'une après l'autre, et ben en fait ça ne fonctionne pas. Donc j'ai des abonnés qui m'ont indiqué qu'il fallait que j'ouvre les robinets pour que par vase communiquant les cuves se remplissent. Et donc effectivement, donc là on voit que le niveau d'ici, je dois avoir à peu près 400 litres dans chaque. Ben en fait je vais laisser ça comme ça, je laisse les robinets ouverts et donc au final, en fait, je vais simplifier l'évacuation. Je vais simplement m'arrêter à la première, donc je vais enlever l'été, je vais simplement mettre un petit coude pour descendre, et le surplus de l'eau, en fait, je vais créer un trou à la cyclose, je pense, dans le haut de la cuve, et l'évacuer derrière dans le tuyau, en fait, qui est connecté au drain qui va vers le puits perdu. Donc voilà, ce sera beaucoup plus simple. Bon, j'aurais préféré le faire dès le départ, mais il faut bien essayer pour savoir comment ça fonctionne. Enfin, moi j'avais aucune idée de comment ça allait fonctionner, donc voilà, maintenant je le sais. Donc les éléments que j'ai achetés en plus, ils sont pas perdus, parce que j'ai d'autres écoulements à refaire. Donc je vais les garder, c'est pas pour le prix que ça coûte, c'est quelques euros, mais ils seront réutilisés prochainement, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'avais installé des tomates, des petites tomates là-bas, on va dire en quelques jours, je crois, peut-être même une semaine après la serre. Donc bon, il y en a qui se portent bien et d'autres un petit peu moins. Alors sur ce bac là, c'est pas flagrant. Sur ce bac là, c'est pas flagrant, mais sur les autres, vous allez voir, alors je sais pas s'ils ont eu un coup de froid ou quoi, mais ils se tiennent beaucoup moins bien. Donc j'ai mis des haricots. Donc ils ont commencé à être attaqués par les limaces. Donc j'ai été à la chasse tous les soirs. Et j'ai mis en place des bouteilles en suivant l'exemple de Samuel. Bon, il faudra peut-être que je les remplisse un petit peu là. On doit un peu manquer de bière. Des salades, en fait, que j'avais fait pousser en fin d'année dernière, elles continuent à pousser, elles sont pas mal. Donc pareil, la bourrache pousse. J'ai installé hier mes poivrons, donc j'en ai qui sont en fleurs, là j'en ai trois,
J'espère que ça ne sera pas trop près des haricots, on verra bien. Sinon, je retiendrai les haricots avec quelque chose, je ne sais pas. Donc, j'ai les arachides, là, les cacahuètes que j'ai mis sur le devant, là, ça doit faire 15 jours, je crois qu'elles sont installées. Donc, bon, elles ont eu un petit peu de mal au départ, et là, apparemment, elles ont l'air de continuer à pousser. Il y en a une qui a fleuri. Donc, bon, ça devrait pas tarder à fleurir partout. Donc là, j'ai mon pied de kiwi bah, qui pousse bien. Il s'entoure bien là, autour. Donc voilà, on voit que certains pieds sont pas trop mal encore là, ça va. Ça va à peu près, même ici. Bon, il y a des petites taches là sur les feuilles. Alors, bon, ça n'a pas l'air bien méchant. Par contre, ici, ils ont l'air un petit peu moins en forme. Bon, pareil, en fait, ceux-là ont été vraiment bien attaqués. Donc je vais sûrement en remettre parce que là je m'en suis occupé un peu trop tard. Et donc là j'ai mis le reste de mes poivrons. Voilà, donc on voit qu'ils sont quand même beaucoup moins en forme ici. Donc là les vignes poussent. Celle-ci un petit peu plus. Donc là j'ai mis de la menthe que j'ai mis dans un pot en terre cuite pour que le pied soit toujours humide. Donc je l'ai mis là pour essayer de repousser les fourmis en fait qui apparemment ont attaqué mes carottes les autres années. J'avais jamais de carottes en fait, j'ai jamais réussi à en avoir vraiment des belles. Donc là j'ai forcé la dose, quitte à démarrer un peu plus les carottes. Donc là on voit qu'elle. On voit qu'elle pousse. Bon, j'ai enlevé le paillage, hein. Il en reste un petit peu, mais j'ai essayé de mettre un minimum de paillage. Par contre, j'ai mis un peu plus de graines que pour être sûr d'en avoir. Donc je pense qu'avec la menthe, ça devrait pousser cette fois. Et ici, on voit que voilà, les pieds sont vraiment, voilà, ils ont un problème. Alors, je pense qu'ils ont dû avoir un coup de froid parce que là, ils font vraiment la tête. Hein. Alors, heureusement, il doit me rester une cinquantaine de pieds d'avance, donc ça, c'est pas un souci. Mais je vais attendre qu'ils fassent meilleur avant de leur remettre parce que là, même si les seins de glace sont passés, j'ai peur qu'il y ait un problème sur les tomates, en tout cas dans les bacs. Alors celui-ci, bizarrement, il a l'air de pousser quand même, donc contrairement à tous les autres. Les concombres, bon, c'est pareil, ils font un peu la gueule, hein, donc on va voir. J'en mets deux comme ça. Voilà, celui-là pousse. Hein. Ça pousse, mais il fait la gueule. Idem pour celui-là, il fait des fleurs en plus. Bon, voilà, le début de la tige, c'est un peu jauni. Donc là, j'ai un pot qui a bougé. Donc j'ai mes salades pour lesquelles j'avais fait des semis qui poussent, mais qui sont pas vraiment super jolies. Alors j'en ai refaites ici. Mais je ne sais pas si elles sont mangées ou quoi, elles sont toutes petites, alors bon, il faut peut-être un peu plus de temps pour que ça sorte. Donc j'ai fait des laitues reines de mai à gauche, à droite, et de la pia sur la gauche, et avec des radis de 18 jours au milieu. Là, on a de la salade wheatloaf.
J'en ai peut-être mis un peu beaucoup, après réflexion. Et là, j'ai remis des poireaux, donc j'espère que c'est pas trop tard. Parce que ceux que j'avais n'étaient pas terribles. Donc le persil continue à pousser. Donc j'en avais refait avec de la ciboule. Ça pousse, mais bon, c'est pas. Et peut-être pas aussi joli que l'autre. Là, c'est un surplus de rosier, de fraisier que je vais donner à mes voisins. Là, je ne vous ai pas montré le coqueret du Pérou. Donc, bon, il n'a pas vraiment grossi. Ça, c'est un pied que j'ai acheté. Donc, j'en ai fait. Donc, on va voir. Ils n'ont pas l'air mal à l'intérieur. Et donc les pommes de terre, bah, les pommes de terre avec le lin, ça pousse. J'ai peut-être forcé un peu trop la dose là sur le lin. On verra bien. C'est... Par contre, je vais attendre que le lin pousse un peu plus pour remettre du paillage, de la tonte quand j'en aurai. Donc, mais bon, ça a l'air de pousser correctement. Là, j'ai mon chou aussi qui s'est fait bouffer, le chou kale, donc j'ai fait la chasse, j'y retournerai ce soir encore. Et donc une salade wheatloaf que je laisse monter pour récupérer les graines de l'année dernière. Là les salades, bon, elles sont pas super hein, sous l'abri, mais bon, elles sont pas complètement mal, enfin pas toutes en tout cas. Bon, les plus belles bien sûr sont dans la serre, comme on pouvait s'en douter. Donc là j'avais 4 fleurs dessus, mais bon, je pense qu'elles ont coulé parce que bon, elles étaient à l'intérieur, donc elles n'ont pas dû être pollinisées. En face des tomates et les pommes de terre, j'ai mis des échalotes grisettes tout le long de la serre et de l'ail violet. Donc j'en ai mis aussi de l'autre côté. Voilà. Donc j'en ai mis là, par ici. Donc il y a encore des échalotes. Ici, il y a mes oignons rouges et mes oignons de Roscoff que j'ai mis sous le paillage et donc qui ont réussi à traverser le paillage sans problème. Hein. Donc voilà, ils poussent gentiment. En face, j'ai donc mes cucurbitacées, là, ma milpa. Donc j'en ai un là qu'il faut que j'installe. Et comme il y a de la place, enfin il y a de la place, je vais en faire en fait. Donc voilà, j'en ai les trois là qui sont en fleurs. Donc la courge spaghetti, le potimarron red curry et la courge butternut. Et donc en face, j'ai donc mes poireaux pour les faire monter en graines. Ici, j'ai complété ma milpa avec des fèves qui me restaient, un fond de sachet de fèves de Séville. Et donc ensuite, j'ai donc les petits pois grimpants, le maïs, donc j'ai 8 pieds de maïs. Ensuite, j'ai 3 pieds de tournesol dont j'ai récupéré les graines dans des sachets en fait, enfin c'est un sachet de graines de tournesol pour la consommation que j'ai fait pousser, donc apparemment ça marche. Et les autres, ce sont des tournesols géants, donc j'en ai 4 pieds. Donc bizarrement les petits pois n'ont pas été attaqués par les limaces, pourvu que ça dure. Donc ça pousse plutôt pas mal. Donc je les ai semés assez denses, donc un petit clin d'œil à Seb de Jardiner au Naturel. Donc j'ai suivi sa méthode de semi-dense. Donc. Et en face, voilà, en face on a les fraisiers. Donc bon, il y a toujours des fleurs, il y a quelques fraises.
Voilà, donc elles ne sont pas encore rouges. Hein. Quelques-unes sont un peu plus jolies. Bon, voilà, ça continue à pousser. Il y en a dans le fond, là, j'en vois. Donc, il y a quatre variétés, je crois, quatre variétés, dont des maras des bois, des fraises des bois. Donc, voilà. Et je vais vous montrer la serre. Voilà. Donc, comme vous voyez, alors, j'ai ce pied qui avait commencé à être mangé par les limaces. Là, on voit la bave sur les feuilles. Bon, je m'en suis occupé, j'ai fait la chasse plusieurs fois, plusieurs soirs. Donc, bon, je mettrai sans doute des bouteilles aussi ici pour éviter d'y retourner régulièrement. Donc, j'ai maintenant 6 pieds de melon, j'en avais 4, j'en ai réinstallé 2. J'ai pas encore mis les étiquettes, donc j'ai laissé les pots en attendant. Toujours une salade spontanée là qui continue à pousser. J'en avais 3, j'en ai mangé 2 déjà, qui étaient très bonnes. Et donc les autres pieds se développent plutôt pas mal. Hein. Ils sont quand même assez beaux. Les limaces avaient aussi attaqué mes œillets d'Inde, donc ils ont eu un peu de mal à se développer. Donc là, ça a l'air d'être reparti, comme je me suis occupé des limaces. Le seul souci que j'ai, c'est sur un pied. Donc les autres sont pas mal. À part celui-ci. Donc je pense que ça doit être un rongeur hein, qui a dû manger les racines. Parce que là, il s'est mis à dépérir d'un seul coup. Donc bon, c'est pas très grave. J'ai encore pas mal de pieds à l'intérieur. Je vais aller en remettre un rapidement. Là, je vois que j'ai une fleur qui va pas tarder à s'ouvrir. Il y en a peut-être d'autres, hein. Je vais pas regarder, mais voilà, s'il peut y en avoir une. D'ailleurs, je vais peut-être regarder la variété. Donc, ananas orange. Donc, apparemment, j'en vois pas d'autres, hein, mais bon, je jetterai un coup d'œil régulièrement. Donc bon, les melons sont pas très gros, hein, ils se développent gentiment. J'en avais fait pousser à l'intérieur, que j'ai voulu garder après pour les planter après les seins de glace. Donc forcément, ils sont un peu plus développés. Bon, on va voir s'ils reprennent bien. Il n'y a pas de raison. Le pied de vigne, je crois que c'est du perdin que je fais pousser à l'intérieur de la serre. Donc voilà. En plus des graminées, ben, là on a le framboisier ici qui pousse. Donc les autres sont de l'autre côté, poussent aussi. Donc je ne vais pas faire un tour de jardin complet, j'en ferai un petit peu plus tard quand il fera meilleur. Et là j'ai encore un framboisier en pot que je ne savais pas trop où mettre. Donc comme je vais devoir planter d'autres plantes là, que j'ai commandées dernièrement, je vais en profiter pour essayer de lui trouver une place aussi. Donc voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, ben, mettez un pouce en l'air, partagez-la ou abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Allez, à bientôt !